Une fois, je suis monté à Ajaccio. J'étais dans un bar. Ouais, sur le fort. J'ai pas trouvé. Ouais, c'est la tout bien. C'est à côté du casino. Les manouilles et les casinos, c'est les bars qui sont juste avant le casino. Je sais où il est le casino. Je sais plus si tu travailles là-bas. Hein. D'accord. Je travaille ici, là. Non, l'été dernier, je suis sûr qu'il travaille. Il a changé. Parce que là, il m'a dit c'est au diamant. Il y en avait pour si. Un petit détail, tu m'en arrives. Ah, c'est un peu de lui, je le connais. Son père. Non, je l'ai avec ce mec, il est là. Non, il s'en fout de moi. On n'est pas en bois. Non, c'est pas encore. Termine. Je sais pas, c'est après que tu le vois. Hein. C'est toi après que tu le vois, dans la course. Hein.
Je vais l'essayer. Je vais l'essayer, mais j'ai pas essayé. Il a cru.
même dans un air possible dans cette grande cabine. Oui, il est pas bien. Thank you.
Thank you.
mais vous avez fait quand même délaisser le podium. Tu vas attendre ton grand ami qui va venir te rejoindre. Et nous en arrivons à... À ce trophée, à ce challenge, qui en a fait m'avait plus un. Mais la décision du comité directeur du challenge de Christian Hawking avait été prise en accord avec tous les pilotes, j'en avais parlé à la Corte de Corte tout terrain, et nous avions décidé d'un commun accord avec Mathieu Hawking qui nous avait posé ce problème, que donner un challenge une année, de reprendre en fin d'année, et enlever le fer de celui qui l'a gagné pour le remettre en course chaque année, Mathieu Hawking avait décidé que si Jean-Jacques Lovig était gagnant de nouveau cette année, que le challenge lui serait attribué définitivement. Et qu'à l'avenir, chaque année, un challenge de Christian Hawking renaîtrait. Alors, Jean-Jacques, un deuxième gageur, s'est défoncé et même fait mal, pas sur la course, mais même fait mal à son poignet.